La Coupe d'Afrique des Nations, officiellement Coupe d'Afrique des Nations totale non liée au sponsor, est parfois abrégée en CAN. Elle est la plus importante compétition africaine de football entre nations. Créée en 1957, elle est organisée par la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, tous les deux ans. À partir de 2013, la CAN continue d'avoir lieu tous les deux ans, mais elle est organisée les années impaires afin d'éviter qu'elle se dispute la même année que la Coupe du Monde. L'origine de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à juin 1956 lorsque la création de la CAF est proposée durant le 3e congrès de la FIFA à Lisbonne par l'intermédiaire de l'Égyptien Aziz Abdellah Salem, qui est débouté de sa demande en raison du faible nombre de membres africains, c'est-à-dire 4. Celui-ci décide alors de quitter le congrès en disant, je cite, « Si nous ne sommes pas tous traités ici sur le même pied d'égalité, il n'est nullement question de notre présence parmi vous. » Il est accompagné par solidarité par le Soudanais Mohamed Abdelalim, ce qui pousse la FIFA à réagir favorablement à sa demande. Immédiatement, un projet de créer une compétition continentale se met en place, à laquelle Salem souhaite donner son nom, mais devant l'opposition des autres membres, l'appellation Coupe d'Afrique fut adoptée. A contrario, le trophée remis au vainqueur porte le nom de Salem. L'Égypte est la première nation africaine à avoir remporté le trophée continental 3 fois de suite. Victoire en finale face à la Côte d'Ivoire en 2006, face au Cameroun en 2008 et face au Ghana en 2010. Au niveau des autres confédérations, le Mexique, l'Argentine et l'Iran ont également réalisé cette performance. Hello, nous ne sommes pas là pour vous demander de vous abonner ou bien d'activer la cloche de notification. Par contre, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Cliquez là pour liker et là pour activer la cloche de notification. On commence tout de suite. Par pays, voici les records de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte avec 7 coupes. Le Cameroun, deuxième avec 5 coupes. Le Ghana vient en 3e position avec 4 coupes. 3 coupes pour le Nigeria, 4e position. Côte d'Ivoire, 2 coupes. La 6e position est occupée par l'Algérie avec 2 coupes également. La République démocratique du Congo, 7e avec 2 coupes. La Zambie, la Tunisie, le Soudan, l'Éthiopie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Congo ont une coupe chacune. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l'Ouganda, la Guinée, la Libye et la Guinée équatoriale sont les malheureux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations et enregistrent 0 coupe pour le moment. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez surtout pas de vous abonner et rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo.